Secondo lei qual è il futuro dell'Occidente, dato sia anche le ultime opere che ha pubblicato e che ha scritto? Oh, je ne fais pas de prophétie aussi générale. Quand on fait une prophétie, on a beaucoup de chance de dire une bêtise. En fait, le thème du roman n'était pas spécifiquement sur l'Occident, mais sur le devenir des mondes que se créent les hommes. Et il parle de mondes beaucoup plus petits que l'Europe occidentale, puisqu'il s'agit plutôt d'un bar ou d'un petit morceau de monde cohérent d'une communauté humaine. Che cosa significa essere uno scrittore che viene dalla Corsica in un contesto editoriale come quello europeo oggi? Ah, c'était un problème. Pourquoi? C'était surtout un problème, me semble-t-il, à cause de l'image très forte que peut avoir la Corse, surtout sur le continent en France. Et donc on a beaucoup d'obstacles à lever, et notamment simplement le fait d'être lu sans que le lecteur projette sur le texte ses a priori, ses clichés ou ses préjugés. Et pour moi, parmi toutes les joies possibles que m'a causé le prix Goncourt, il y avait d'abord celle-ci. C'est que c'était une reconnaissance qui portait sur un texte qui parlait vraiment de la Corse, et le fait qu'il ait eu le prix montre qu'il a pu être lu pour ce qu'il est, c'est-à-dire pour un roman sans toutes le halo idéologique qui va autour d'habitude.